Bonsoir à tous, bienvenue pour cette soirée en live, cette nouvelle soirée sur Final Fantasy XV. Aujourd'hui, on va faire le dernier épisode en live. Il s'agit de l'épisode d'Ardine, qui se passe longtemps avant ce qui s'est passé dans les événements de Final Fantasy XV. Donc on est parti, on va, hop là, juste baisser ça. On va attaquer directement. Hop, allez, on va commencer une nouvelle partie directement sur cet épisode d'Ardine. Le temps que la difficulté se charge, enfin le temps que le jeu se charge, on va pouvoir discuter un petit peu. Ça fait un petit long moment que j'avais pas pu faire de live, ça fait à peu près 2 semaines je crois. Désolé pour ça, je suis en vacances maintenant, donc j'ai pris une demi-semaine on va dire de repos. Et la dernière semaine de travail avant les vacances a été un petit peu compliquée. Donc voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de live depuis un petit moment. Mais c'est bon, je suis de retour, je suis en vacances, donc je pense qu'on va avoir plusieurs lives sur les quelques semaines qui viennent pour pouvoir avancer sur différentes séries. Aujourd'hui, on va terminer Final Fantasy XV. La prochaine fois, je pense qu'on refera un épisode de Erika, une tentative. J'avais fait ma première run, on va dire, sur la chaîne YouTube. Et du coup, on va tenter une deuxième run pour essayer d'avoir une fin différente. J'aimerais bien changer juste la fin de cette run-ci. Mais bon, on essaiera de faire d'autres choix et de voir un peu ce que cela donne. Je sais qu'il y a au moins 4 fins principales. Possible 4 ou 5 fins principales, donc on va essayer de le faire plusieurs fois pour voir un petit peu ce que l'on peut trouver. Alors, on va passer un peu sur le jeu, on va voir un petit peu ce dont on va parler aujourd'hui. Avec l'Empire à sa botte et le monde plongé dans les ténèbres, Ardine, autrefois considéré comme le sauveur de l'humanité, s'assoit sur le trône du Lucis, celui-là même qui lui a été refusé par le cristal 2 millénaires plus tôt. Donc voilà, on va incarner du coup aujourd'hui Ardine pour ce dernier épisode spécial. Il est assez sympa cet épisode, je l'ai déjà fait. Et du coup, de pouvoir jouer avec les pouvoirs de Ardine, ça, c'est quand même un personnage qui est assez bien développé. Je sais qu'à un moment, on a une sorte de mini open world, et du coup, on fera un petit peu tout. Allez, je vous laisse la vidéo d'intro de cet épisode. Jadis, les dieux bénirent un homme lui accordant des pouvoirs uniques. Il fut accueilli comme le sauveur par tout un peuple. Son nom était Ardine Lucis Caelum. En tant qu'aîné de la fratrie, il aurait dû devenir le premier roi du Lucis. Donc on commence à la fin de FF15. A priori, il y a qu'un retour en arrière. Serait un homme de 28 ans, nommé Mars Sapientia. D'après ses supérieurs, il aurait quitté son poste peu de temps après sa prise de fonction. Des recherches ont immédiatement été entreprises, mais elles se sont révélées vaines. Il est à noter que Mars Sapientia est un homme de grande taille qui n'a aucun signe distinctif particulier. Il est cependant probable qu'il porte toujours son uniforme. La police a lancé un appel à témoins pour tenter de retrouver le soldat. Pour continuer sur une note un peu plus joyeuse, aujourd'hui, nous célébrons la fondation de notre royaume. Un grand défilé ainsi qu'une exposition spéciale en l'honneur de Somnus Lucis Caelum, le premier roi du Lucis, se tiendront sur l'avenue principale au niveau de la citadelle. Petits et grands sont invités à prendre part aux festivités. Ne ratez pas cette manifestation ludique et conviviale. Vous allez pas à la citadelle ? À présent, la météo. Vous êtes un garde, n'est-ce pas ? Le temps est au beau fixe à Insomnia. En effet. Un grand ciel bleu prévu pour toute la journée. Mais j'ai une mission plus importante qui m'attend. Les averses sont toutefois attendues en fin d'après-midi et en soirée dans les zones frontalières. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi.
je suis enfin de retour. Bienvenue à toutes et à tous. Nous vous informons que le grand défilé qui se tiendra sur la rue principale va bientôt commencer. Allez, c'est parti, on va commencer par explorer Insomnia. Qu'il était prêt à me tuer. D'un côté du mur, les gens vivent sans vergogne dans l'opulence, et de l'autre, la guerre fait rage. Coincé. Tant qu'ils gardent leurs privilèges, le reste du monde peut bien s'écrouler. Ils croient que ce mur les protège, mais il ne fait que les tenir dans une petite bulle d'illusion. Les idiots. Allez, on passe à l'action. Quoi? Oh, ça, non. Bonjour Ifrit. Les dieux n'en font vraiment qu'à leur tête. Allez, c'est parti du coup pour cet épisode sur Ardyn. Les hommes ne façonnent pas le destin. Le destin façonne les hommes malgré eux. Ok, donc ça c'était l'introduction. On va pouvoir commencer à jouer. Alors, nous sommes en l'an 734 à Insomnia. Aujourd'hui, la cité entière est en effervescence et se prépare à célébrer l'anniversaire de la fondation de la nation. Mais une surprise de taille attend les habitants. Ardyn est de retour dans la capitale lucienne et il est bien décidé à jouer les troubles fêtes, notamment avec Ifrit, a priori. Et puis, on va pouvoir commencer à passer à l'action et à commencer réellement à jouer avec Ardyn. Allez, étape 1, l'éveil des ténèbres. Ardyn. Non, arrête, tu me fais marcher. Pourtant, c'est vrai. Ça prouve bien que l'erreur est humaine. C'est sûr. Tu me sembles un peu fatiguée. Est-ce que tout va bien? Ne t'inquiète pas. En m'offrant ces pouvoirs, les dieux m'ont confié une mission. Celle de sauver le plus de vies possible. Je dois à tout prix satisfaire leur volonté. Je suis sûre qu'ils t'observent depuis les cieux. Continue et rends-les fiers. Ne crains rien. Tu n'es pas seule. Je suis avec toi. Quoi qu'il en soit, tu as besoin de deux choses pour arriver à tes fins. La première, c'est du repos. Oh. Et la deuxième? Tu le sais bien. Aira, ne m'abandonne jamais.
Il est vivant. Les légendes disaient donc vrai. Qui es-tu? Sortez-le. Alors, Verschael Bessicia, c'est le personnage qu'on a vu dans l'épisode sur Prompto, le scientifique. Alors, implantage. Qu'est-ce qui a planté? Hop là. Alors du coup, je vais repasser là-dessus quelques secondes. Désolé pour ça. Je vais essayer de voir un peu ce qui a planté au niveau de ma PlayStation. Je vais débrancher, rebrancher la prise. En espérant que ce soit juste la carte d'acquisition et que j'ai pas besoin de redémarrer le système complètement. Ça semble pas bon tout ça. Alors, je vais redémarrer rapidement le stream et puis bah, je reviens dans quelques secondes le temps que je trouve d'où vienne la panne. A tout de suite, désolé pour ça. De retour, je vais attendre quelques minutes pour vérifier que tout le monde soit bien connecté, désolé. J'ai réussi à trouver, donc il a juste fallu que je redémarre OBS, c'est OBS qui avait planté a priori sur sur ce live, donc c'est pas trop grave, on va repartir directement, désolé pour ça. J'ai mis en pause aussitôt, hop, hop, et normalement on reprend quelques secondes après l'endroit où on était. Soldats en rapport, RAS pour le moment. Bien reçu. Le transport du sujet a commencé. Très bien. L'équipe médicale se tient prête à intervenir. En espérant que ce sera le seul problème que l'on ait. RAS, tout se déroule comme prévu. A priori, c'est parti, on va pouvoir commencer à jouer. Adagium repéré! Il faut absolument le reconduire dans sa jolie vite! Ce monstre ne doit en aucun cas quitter cette île! Et salut Boyzer06, bienvenue à toi! Comment vas-tu? Arrêtez! Arrêtez! Alors, Coordine perd tous ses PV, il entre en état d'agonie. Son attaque augmente, mais il perd des PV maximum chaque fois qu'il subit des dégâts. Si vos PV maximum tombent à zéro pendant que vous êtes en état d'agonie, vos ennemis vous capturent et c'est le game over. Fuyez pour éviter de subir des dégâts ou attaquez vos adversaires pour vous en débarrasser. Bah moi écoute, ça va bien, merci, je suis en vacances, donc pour le moment ça va bien. Ardyn appartient à la famille royale du 6 et peut donc invoquer des armes. Appuyez sur rond pour attaquer ou maintenir la touche appuyée pour enchaîner automatiquement les attaques sur l'ennemi le plus proche. Toi samedi soir, ben. Hop là, j'ai cru qu'il était fini. C'est beaucoup trop fort.
Bon bah ça devrait aller quand même samedi soir, ça te laisse juste bah demain encore. Appuyez sur carré pour esquiver les attaques ennemies. Vous maintenez la touche pour vous déplacer rapidement en vous dématérialisant. Lorsque vous portez 5 coups successifs à un ennemi, vous réalisez une attaque finale qui vous laisse l'opportunité de l'achever rapidement en le démonifiant. Appuyez sur triangle lorsqu'un ennemi est en état de vulnérabilité pour le démonifier. Alors, en 721, Verstael, Bessitia, éminent chercheur d'or magitech de l'armée impériale, s'introduit discrètement sur l'île d'Agengard et repart avec en sa possession le plus sombre secret de Lucis, Adagnium. Il reconduit le sujet dans l'un de ses centres de recherche pour l'étudier plus en profondeur. Donc voilà, maintenant on va, si je me rappelle bien, apprendre un petit peu sur l'histoire et comment utiliser un peu tous nos pouvoirs. Et établir un plan pour mettre à mal le Lucis. Ah, ça charge. Toujours aussi long les chargements, c'est dommage ça, c'est le seul truc un petit peu dommage dans le jeu là, c'est les temps de chargement qui sont vraiment très longs je trouve. Alors on passe directement à l'étape 2, l'illusion révélatrice de la vérité. Pardonne-moi, mon frère. Je ne voulais pas en arriver là, mais il ne peut y avoir qu'un seul roi. Ne fais pas ça ! Aïra ! Aïra ! Messire Ardyn, le professeur Bessitia demande à vous voir. Ah.
Allez, dans un centre de recherche Magitech. Alors, il va falloir rejoindre Verstael. Je vais d'abord essayer de tout lire et ramasser les différentes choses. Médication. Le journal de Verstael. C'est une belle collection de livres inutiles. Notre journal. Ok. Je devrais peut-être y aller. Oh, je me sens si à l'étroit dans ces vêtements. Ce paysage est d'une tristesse. Hop, un fortifiant. Prendons place. Tu ne manges pas? Alors, comment te sens-tu? Mal. Oh, tu te réveilles d'un long sommeil. Tu as encore besoin de temps. Profitons de ce bon repas pour discuter ensemble. Ici. 204 jours exactement, soit un peu moins de 7 mois. Mais avant cela, les Lucisiens t'ont condamné à l'exil sur cette île, où tu es resté prisonnier pendant près de 2000 ans. Je comprends très bien que tu aies perdu la notion du temps. Ton frère, tu dois le détester après ce qu'il t'a fait. Je ne veux pas parler de ça. Les analyses ont donné des résultats. Sais-tu ce qui m'arrive? Les données que j'ai collectées sont complètement différentes des autres démons. Je comprends pourquoi ils gardaient ton existence secrète. Tu es le premier humain à ma connaissance qui détient le pouvoir des démons. Et je dois dire que c'est fascinant. Ton corps assimile ces parasites qu'il transforme en énergie pour vivre. Mais en plus d'auto-régénérer ses cellules, il peut aussi contaminer les autres êtres vivants et les changer en démons. Ce qui fait de toi... un monstre. Non. Je pensais plutôt à un surhomme. J'ai hâte de poursuivre notre collaboration. Quel est ce plat ? C'est de la viande issue de bêtes clonées. De bêtes clonées? Oui, le clonage reproductif est un processus très simple. Il suffit de prélever le noyau de la cellule somatique adulte du premier individu, puis de l'injecter. C'est bon, ça suffit. Je comprends rien à tout ce charabia. Qu'est-ce que tu as derrière la tête? Pourquoi est-ce que tu cherches à m'aider? Tu m'as dit que les dieux t'avaient choisi pour être leur serviteur ici-bas. Mais tu es bien plus que ça. Ouais. Pour moi, tu es une sorte de dieu. Nous avons besoin de tes pouvoirs surhumains pour parvenir à nos fins. Si tu acceptais de nous prêter main forte, nous pourrions mettre un terme à cette guerre qui dure depuis trop longtemps.
L'effondrement du Lucis. Tu admettras que l'idée a de quoi séduire, non? Tout ça, c'est du passé. Même si ton frère est déjà mort, sa lignée n'est pas encore éteinte. Après tout ce que tu as enduré, tu as forcément envie de te venger. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Alors, il va falloir suivre Verstel. Juste prendre ça avant. Ceci est le fruit de mes recherches. Enfin, une petite partie, du moins. Je t'envie beaucoup, tu sais. Le savoir de l'humanité est tellement dense et riche qu'une seule vie ne suffit pas pour tout obtenir. Libre à toi de jeter un œil. Alors, inspecter le centre de recherche. Ok. On va faire ça. Regarde bien où ça, c'est pour le partir. On va essayer d'aller voir un peu tout le reste, tout ce qu'il y a à voir. Activer l'appareil, oui. Les démons ne supportent pas la lumière du soleil. Leurs activités se limitent donc généralement au milieu nocturne ou bien aux endroits sombres. Cependant, Adagium, lui, est différent. Bien qu'il soit un démon, il est capable de vivre sans encombre à la lumière du jour. Il est fort probable que ses tissus démoniques soient eux aussi endommagés par une exposition à la lumière, mais qu'il se régénère à une vitesse empêchant toute dégradation normalement perceptible. Ça alors? Cette lumière a les mêmes effets que le soleil. Je dois garder ma peau couverte autant que possible. Ok. Alors, il y a un truc à récupérer là. Ce n'est que relativement récemment. Il y a environ 2 siècles que les démons ont été identifiés comme nouvelles formes de vie. Cependant, à en croire d'anciens documents, les démons seraient la cause d'une épidémie qui menace la survie de l'espèce humaine depuis déjà maintenant plus de 2000 ans. Nous avons découvert que les démons sont en fait d'anciens humains ou animaux dont l'organisme a été radicalement modifié par un plasmodium mutant parasitaire. Ces créatures émettent des particules noires infectieuses qui se répandent dans l'air, causant ce que l'on a appelé le mal de la planète. Ce modèle est une réplique de démon qui a été fabriquée en versant du plâtre dans une cavité découverte dans les profondeurs du sol. Les démons se changent en miasme par sublimation lors de l'arrêt de leur fonction vitale. Ce spécimen a probablement péri après le durcissement de la boue qui le recouvrait. Ces créatures étant extrêmement photophobes, il n'est en effet pas rare de les voir s'enfouir dans le sol pour se protéger de la lumière. Ok. On va continuer d'en apprendre un petit peu plus sur toute l'histoire. On campera juste avant de partir. C'est à ça que ressemble notre monde. On estime que la formation de la planète Eos remonte à environ 4,5 milliards d'années. D'après les légendes, les 6, les dieux protecteurs d'Eos, seraient apparus à l'époque de l'antique civilisation de Solheim. Et salut Ben Flasher, bienvenue à toi. Comment vas-tu ? C'est dans la région de Pistala qu'ont été découverts les plus anciens fossiles d'Homo sapiens, l'ancêtre du genre humain. Les humains ont utilisé le feu pour la première fois à l'aube de la civilisation de Solheim, dans la région de Sukarp. Selon la légende, c'est Ifrit qui aurait fait don du feu aux humains, devenant ainsi le souverain du royaume de Solheim. Tranquille comme d'hab, ah bah tant mieux. La civilisation des machines de Solheim serait née... Pour l'instant, on n'a pas encore vraiment lancé... Je suis en train de tout regarder. Les dates de début et de fin de cette civilisation restent néanmoins obscures et sont actuellement le sujet de nombreuses recherches. On n'est encore qu'au début de l'épisode. Une grande vallée, aujourd'hui appelée Ravin de Taelbar, délimite naturellement les deux régions de Duskae et de Clegne. C'est à cet endroit que la grande guerre des légendes aurait éclaté entre les dieux. Elle aurait opposé Ifrit, qui voulait anéantir les humains par le feu, aux autres dieux, et serait la raison de l'effondrement de la civilisation de Solheim. Tant que t'es là, merci pour ton soutien sur Utip, ça fait très plaisir, en tout cas.
On dit que le corps d'Ifrit le calcinateur aurait été enseveli au volcan de Ravatog après sa défaite lors de la guerre divine. Après la guerre divine, Shiva la glacéenne se serait plongée dans un profond sommeil au cœur de la vallée de Gorovas, dans la région de Voyupé. L'endroit où Bahamut, le draconéen, serait allé se reposer après la guerre divine demeure toujours inconnu. Au terme de la Grande Guerre des Légendes, Titan l'Archéen se serait très probablement endormi au disque de Kotès, situé au centre de la région de Duskae. C'est dans les profondeurs de la grotte de Fossio, dans la région de Duskae, que Ramu le Fulguréen serait allé s'endormir quand la guerre divine prit fin. On est en train d'en apprendre sur tous les dieux. Je pense que là, ça va être l'Hydraël. Léviathan est vénéré à Alticia, la cité des eaux. C'est vraisemblablement là-bas, au fond de la mer, que l'Hydréen sommeille depuis la fin de la guerre divine. Il y a de cela environ 2000 ans, le dirigeant de la maison Kaelum s'appelait Somnus Lucis Kaelum. Il se vit confier par les dieux la garde du cristal et de l'anneau des Lucis, grâce auquel il fonda le royaume du Lucis. Durant les siècles qui suivirent, le royaume étendit son territoire malgré une épidémie mortelle due à un organisme parasitaire. En cette année 722, c'est Mors Lucis Kaelum qui se trouve à la tête du royaume en tant que 112e souverain de la dynastie. Son successeur en puissance, le premier prétendant au trône d'Insomnia, n'est nul autre que son fils, le jeune Régis Lucis Kaelum. L'île d'Angelgard, située au large de la baie de Galdina, est une île déserte considérée comme un sanctuaire interdit par les habitants du Lucis. D'après d'anciens documents, une abomination appelée Adagium aurait été enfermée au cœur même de cette île. Des recherches sont menées dans le but de vérifier cette théorie. Suite à la naissance du royaume du Lucis, la maison Fleuret, de la lignée des oracles, fonda la nation de Tenebrae. En l'an 359, notre empire envahit et annexa Tenebrae, mais par considération pour la vénération que vouait le monde entier aux oracles, il décida d'épargner et de préserver le palais Fenestala, domicile héréditaire de la maison Fleuret. Il était en outre important d'un point de vue stratégique de maintenir en vie la lignée des oracles, qui était proche de la famille royale du Lucis. Il y a beaucoup de choses à apprendre là sur le monde dans cette base de données. La Fédération des villes libres d'Accordo s'est longtemps développée en tant qu'important centre de commerce et d'échange. En l'an 606, notre armée impériale envahit la Fédération et parvint à l'annexer en sortant victorieuse d'une bataille qui l'opposait aux forces alliées d'Accordo et du Lucis. Nous avons cependant laissé à Accordo une certaine autonomie du fait de profondes différences institutionnelles et culturelles telles que le système de chambre des représentants et le culte de l'Hydréenne. Des siècles après la fondation du royaume du Lucis, un mouvement visant à rétablir l'antique civilisation de Solheim se créa dans la région du Eltham et ses environs. La maison Alderkapt, qui menait ce mouvement, finit par acquérir l'indépendance politique en fondant l'empire du Niflheim. Grâce à l'habile exploitation militaire du patrimoine magitech de la civilisation de Solheim, notre empire parvint à conquérir Tenebrae en l'an 359 et par la suite à annexer la Fédération des villes libres d'Accordo en l'an 606. En cette année 722, c'est sous le commandement de son éminence l'empereur Yedolas Alderkapt que nos laboratoires s'efforcent de créer de nouvelles armes alliant magitech et démons. Des vestiges de la civilisation de Solheim sont visibles à divers endroits, notamment au bois de Stelif et près des ruines de Pythios. Le bois de Stelif, c'est là-bas qu'on a été récupéré une arme. Au milieu duquel se dresse la tour de Kostelmark est lui aussi parsemé de ruines, comme son nom l'indique. Des équipes de chercheurs mènent actuellement des fouilles archéologiques sur tous ces sites. C'est en l'an 501, lors d'une expédition dans la région du Loat, que l'armée impériale a découvert une nouvelle forme de vie communément désignée sous le nom de démon. Ok, on a tout examiné. J'ai encore quelque chose ici. Les personnages au centre de ce tableau sont sans doute des guerriers du Lucis, et dans leur dos, les silhouettes des anciens rois. Le tout premier roi de la lignée s'appelait Somnus Lucis Kaelum. Qui aurait cru qu'il avait un frère aîné? La scène semble représenter la légende du roi élu destiné à bannir les ténèbres. En supposant qu'elle dise vrai, cela signifierait-il que le Lucis aurait le pouvoir de dominer le monde? C'est qu'une croyance populaire parmi tant d'autres. Seule la technologie de notre empire peut prétendre à ramener l'équilibre dans le monde.
Le personnage placé tout en haut du tableau est certainement l'oracle. La lignée des oracles est l'une des plus anciennes, remontant à Aera Myrus Fleuret, la première femme qui a assuré cette fonction sacrée. Seuls les oracles peuvent communiquer avec les dieux. Celle-ci ressemble elle-même à une déesse porteuse de lumière. Reste à savoir si c'est une ennemie ou une alliée potentielle de notre empire. Les six, ensuite. On voit les dieux sur la gauche et la droite du tableau. On remarque cependant qu'il manque Ifrit le calcinateur, le responsable de la guerre divine. Après mes découvertes sur les démons, je percerai peut-être un jour le mystère des formidables pouvoirs dont sont dotés les dieux. Ou mieux encore, je trouverai un moyen de combiner les deux. Les créatures représentées sur la partie basse du tableau sont probablement des démons. On peut peut-être nous dire qu'ils seraient capables de provoquer la fin du monde. Au lieu de les tuer, nous devrions tâcher d'exploiter leur puissance. Ok. Les dieux... et les rois du Lucis. Alors comme ça, ils se sont associés pour chasser le mal. Alors je regarde juste si j'ai rien oublié dans la bibliothèque. Je vois que ça clignote là-bas. Tous les journaux. On campe vite fait et après on avance sur la suite de l'aventure. Allez, on va avancer du coup. Coincé, non, c'est bon. Tranquille, oui, pour l'instant ça va, ça se passe bien. Adakium, c'est le nom de code que les gens du Lucis utilisent pour parler de cet être qui fut prisonnier pendant deux longs millénaires. Sa force surpasse de très loin celle des humains. Son corps transcende les lois de la vie et de la mort. Le premier roi du Lucis, qui l'avait en effroi, voulut le faire disparaître pour l'éternité. Il l'enferma alors sur l'île d'Angelgard, terre interdite où siègent les dieux. Le destin m'a souri de la plus belle des manières. Je suis parvenu à découvrir et à ramener Adakium, l'être que le Lucis a banni et craint depuis plus de deux millénaires. Les vagues houleuses et les tempêtes foudroyantes ont repoussé tous ceux qui s'approchaient de sa prison, mais ce jour-là, elles m'ont laissé la voie libre. Je n'ai pas encore eu le temps de l'étudier en profondeur, mais à en juger par le combat qu'il a livré sur l'île d'Angelgard, il semblerait qu'il possède des pouvoirs dépassant de très loin tout ce que j'ai pu imaginer. Je crois que la chance est véritablement de mon côté. Ah, c'est absolument magnifique. Ton existence a été effacée de l'histoire, ton nom est à peine mentionné dans quelques textes antiques. J'ai douté de leur véracité jusqu'à ce que je te voie enfin de mes propres yeux. Grâce à toi, tout se déroule sans aucune fausse note. Je t'en prie, prends tout ton temps. Alors c'est bon, on va pouvoir suivre Verstael. On a déjà vu tout le reste dans la salle. Regarde, voici notre monde, tel que le voient les dieux. Ce diorama est une reproduction de notre territoire. Certaines zones ne nous appartiennent pas encore, mais ce n'est qu'une question de temps. N'hésite pas à l'admirer. D'accord, en théorie j'aurais dû faire ça à ce moment-là. Je suppose que là on va se diriger vers le tableau. J'ai quelque chose à te montrer. Viens, suis-moi donc. Nous avons fait une découverte intéressante au volcan de Ravatog. Si cette expérience s'avère concluante, tu pourras peut-être obtenir des réponses aux questions que tu te poses. Par ici.
c'est ? Ifrit, le dieu du feu. Ça alors ? Vous avez déplacé un dieu ? Il dormait profondément, comme dans la légende. Nous l'avons donc congelé et amené ici. Crois-tu pouvoir le transformer en démon ? Un dieu en démon ? En cas de réussite, cette opération nous permettrait de découvrir d'innombrables secrets encore inconnus de l'humanité. Et en plus d'avoir accès à des souvenirs divins vieux de plus de 2000 ans, nous pourrions l'apprivoiser et l'utiliser comme une arme de destruction massive. Je pense que tu as tout à gagner à coopérer avec nous. Si tout se passe comme prévu, cette expérience te permettra d'assouvir ta vengeance. Si jamais je refuse de t'aider ? C'est ton choix, mais je ne crois pas qu'il y ait de meilleure solution. Fais-moi confiance. Laisse-moi te montrer le fruit de mes recherches. Suis-moi. Autrefois, la civilisation de Solheim s'étendait dans tout Eos. Grâce à son savoir-faire dans la Magitech, elle rayonnait comme nul autre. Si elle n'avait pas attisé la colère des dieux, elle serait probablement toujours au fait de sa gloire aujourd'hui. Et donc, tu cherches à faire revivre cette civilisation ? Je veux la surpasser. C'est un projet ambitieux, mais tu me donnes la force dont j'ai besoin pour y parvenir. Magitech et démons. Selon moi, la voie de l'avenir passe irrémédiablement par ces deux chaînons. Allez, c'est parti. On peut plus revenir en arrière. Nous avons été infiltrés. Unité Kunmi, Adakium en vue. Ok. Envoyez l'unité Nimbus en renfort. Silence radio jusqu'à la fin du combat. Vous êtes venu me tuer, c'est ça ? Si c'est encore possible. Alors, va falloir éliminer tous les gardes. Alors, la jauge d'arsenal fantôme monte quand vous démonifiez des ennemis. Remplissez la jauge pour invoquer les armes fantômes et augmenter votre attaque. Et si tu ne peux pas me faire un grand de toi, j'attends. Dégage. Ta chair a été de toi, le roi du pourquoi que tu en as perdu de la foule qui a éraillé en vrai. Dégage. Les amours ont été fondés à lui éternellement. Alors, la jauge d'arsenal fantôme s'est remplie, vous pouvez maintenant utiliser Châtiment Royal et infliger des dégâts importants à vos adversaires. Du coup, après les vidéos, mais tu es un merveilleux. Allez, on va compter les flics. Je
Wow, manger. Ah, c'est pas grave. Ah non, pas encore. Alors, hop, je viens de remettre en pause. C'est compliqué ce soir. Il va falloir que je trouve pourquoi ça marche pas bien. Je suppose qu'il va falloir que je recoupe le live quelques secondes pour redémarrer une nouvelle fois OBS. J'espère qu'on va pas avoir à le faire trop de fois ce soir. Je vais changer de prise USB. On va voir si ça fonctionne mieux sur ma carte de capture. Je donne rendez-vous dans quelques secondes. A tout de suite. Désolé pour ça une nouvelle fois. Alors, désolé pour ça, hop, normalement, j'ai dû à peu près tout redémarrer. Ça va être compliqué, je sens ce soir, là, ça fait déjà le deuxième plantage de ma carte. On va voir ce que ça donne, j'espère qu'on n'aura plus de problème. Alors, on va retourner sur le jeu, j'ai mis en pause juste au moment où ça a planté, donc normalement, on devrait repartir quelques secondes après qu'on ait arrêté juste avant la pause. Désolé une nouvelle fois pour ça. J'attends quelques secondes pour vérifier que le stream redémarre bien. On va y retourner de toute façon. Vengeance ! Ça alors ? Alors. Pardonne-moi. C'est ma faute. J'ai manqué à ma parole. J'ai dit à Somnus lequel de vous deux les dieux avaient choisi comme roi. Mais j'étais loin de m'imaginer qu'il essaierait de te tuer. C'est donc ça. Il a menti à tout le monde pour devenir roi à ma place. C'est son mensonge qui t'a tué. C'est sa faute si tu es mort. Tu te trompes, écoute-moi. C'est moi qui ai brisé ton destin, pas Somnus. Tout est de ma faute. J'ai désobéi aux dieux et ils m'ont châtié comme je le méritais. Tu n'as rien à te reprocher. Seigneur, répondez-moi. Qu'avons-nous fait de mal? Pourquoi nous infligez-vous ça? Aïra! Non. Non, Aïra! Accomplis ta destinée, Ardyn. Finis ce que les dieux ont commencé. Punis-moi. Aïra. Tue-moi. Allez, Ardyn, tu l'as. Qu'attends-tu pour la libérer de son tourment? Tu m'as déjà vu faire, non? Transformant les gens en démons. Tu te
dois vivre. Pour moi. Je ne peux pas. Tu n'es même pas capable d'accomplir une tâche aussi simple. Hein? Ah, pour moi, oui, c'est ok. Pour l'instant, en tout cas. Ah, mince. C'est la deuxième fois que tu la laisses mourir. En même temps, les monstres naissent pour tuer et non pour protéger les gens. J'espère que vous avez rien raté surtout. J'ai attendu quelques secondes avant de redémarrer le jeu, j'espère surtout que vous avez pu tout voir. Somnus, tu vas payer. Même si je ne peux pas te tuer, je vais détruire tout ce que tu as créé. Ok, bon nickel. Vous là-haut. C'est fini. Je n'entendrai plus vous supplier de m'accorder votre grâce. Dorénavant, j'agirai comme bon me semble. C'est ça. Je plongerai le monde dans les ténèbres. Ma voix est toute tracée. Je vivrai dans le seul but de détruire. Allez, ça termine ce chapitre sur l'éveil. Donc là, ça y est, on va pouvoir se lancer maintenant dans l'attaque du Lucis. Après cet incident, le Niflheim reprit ses recherches sur les démons et réussit à produire massivement des soldats Magitech. En tant qu'instigateur de ce projet, Ardyn Izunia fut promu au rang de chancelier par l'empereur en personne. Cette technologie donna un avantage considérable à l'armée impériale qui, après plus d'un siècle de guerre, fit basculer le rapport de force en sa faveur. Le Lucis n'eut alors d'autre choix que de réduire la taille du mur magique. Peu de temps après, le roi Morse perdit la vie. Son jeune fils Régis lui succéda sur le trône, devenant ainsi le 113e roi du Lucis. De son côté, Ardyn ne cessa d'accroître le nombre de démons à la surface du globe. Les myriades de souvenirs qu'il absorba lui prodiguèrent de précieuses informations sur son ennemi. Cependant, toutes ces données accumulées dans sa mémoire lui faisaient oublier sa véritable identité. Plus le temps passait, et plus il s'enfonçait dans les limbes de son esprit. Mais ce qui devait arriver arriva. Après de longues années d'attente, l'heure de la vengeance sonna enfin. Allez, une petite sauvegarde. Et on va passer sur l'étape suivante. Trahi par son frère et privé de sa bien-aimée Ardyn, en vain à maudire son don d'immortalité. Condamné à souffrir pour l'éternité, sa rancœur à l'égard de la famille royale de Lucis grandit de jour en jour, tandis que les ténèbres continuent de dévorer son corps et son âme. Donc là voilà, c'est parti, c'est le jour de la vengeance, on va pouvoir enfin vraiment rentrer dans l'action de cet épisode, en espérant ne pas avoir d'autres plantages de ma carte d'acquisition. C'est embête, ça fait deux fois un peu de temps où elle me fait des journées un peu comme ça, où elle plante régulièrement. On va espérer que ça se reproduise pas trop souvent. Ou alors sinon il faudra que je prévoie une nouvelle carte. Donc désolé pour les deux coupures depuis le début de la soirée, j'espère que ce sera évidemment les dernières. Allez, on continue. L'étape 3, les flammes de la vengeance.
géant d'Insomnia. Mettez-vous à l'abri dans un lieu sécurisé. Je répète, un être géant non identifié est soudainement en marre près de Citadelle. Toute la zone est actuellement ravagée par les flammes. Allô, allô. Est-ce que tout le monde me voit? Désolé de vous interrompre, mais j'ai une annonce à faire. Chers citoyens du Lucis, je profite de cette date symbolique pour vous annoncer la fin de votre beau royaume. Ce n'est qu'une juste rétribution. Un pays bâti sur des mensonges est comme un château de sable. Il est condamné à s'effondrer. Dans la vie, on récolte toujours ce que l'on sème, et si un crime est commis, il faut un châtiment pour le réparer. En tant qu'héritier, vous êtes responsable des erreurs de Somnus. Qui est-il? Nous l'ignorons encore. Oh, oui. Vivre en tout cas, ses intentions sont sans équivoque. Bien, je descends. C'en est assez. Il faut en finir. Bon, je crois que je peux commencer. Ici Clarus, avis à toutes les unités. Alerte rouge. Ceci n'est pas un exercice. Tous à vos postes. J'ai pas fait de récupérer ce transmetteur. C'est très pratique. Ici Clarus, avez-vous identifié la créature? Pas encore, mon capitaine. Il est fort probable qu'il s'agisse d'un démon. Un démon. À 7h de la journée. Comment est-ce possible? Peu importe, les civils en sécurité, la garde royale s'occupe du géant. Pas besoin de... Mon capitaine, la garde royale est quasiment anéantie, la cible est toujours en mouvement. Tenez bon jusqu'à l'arrivée des forces spéciales. Ok, bah là, les forces spéciales. Alors, vous attendez le déluge ou quoi? Nous avons engagé l'ennemi, mais il est beaucoup plus fort que prévu. Des renforts arrivent, ne laissez pas s'échapper! Espèce d'abruti, je suis immortel! Allez, voilà pour eux, ça continue. Alors, la jauge de commande est remplie. Appuyez sur L1 plus la croix direction pour utiliser les pouvoirs d'Ifrit. Ah, c'est cool. Vous pouvez invoquer Ifrit afin qu'il combatte à vos côtés. Ce dernier disparaît automatiquement après un certain temps, mais vous pouvez réinvoquer en utilisant une nouvelle fois sa commande. Et là, méga fou. Alors, je regarde ça après, je regarde ton message après le combat. Hein. Nous avons identifié le géant. C'est Ifrit, le dieu du feu. Le dieu du feu. Affirmatif. Le castinateur semble être contrôlé par un gaz d'Insomnia. Mais on n'a pas encore réussi à l'identifier. C'est impossible. Identifier cet individu. Ifrit. Ok, voilà pour Ifrit. Alors, ce sera le même moteur graphique sur Next Gen, au vu de la vidéo qui circule. Tant mieux alors. Je te rappelle que tu dois retrouver les amplificateurs du Je sais pas du tout si c'est le même moteur ou pas. Mais ça, reçu 5 sur 5. Je m'en occupe sur le champ. Alors, alors. Alors, va falloir détruire un amplificateur.
Alors, Insomnia est protégé par un mur magique renforcé par plusieurs amplificateurs. Détruisez-les pour réduire son efficacité et conquérir les différents secteurs de la ville. Leur emplacement est indiqué sur la carte. Les amplificateurs renforcent également les capacités physiques des troupes situées à proximité. Détruisez-les pour affaiblir vos ennemis. Chaque fois que vous pénétrez, vous prenez le contrôle d'une zone, vous recevez diverses informations utiles à votre quête. Visez la domination totale. Si tu veux, je te la montre sur Discord. Oui, bah vas-y, tu peux mettre le lien, je la regarderai un petit peu plus tard, pas de problème. Alors, bah on va aller voir au premier amplificateur, on va dire ici. J'ai placé des repères sur ta carte. Ils indiquent où sont situés les amplificateurs du mur. Ces dispositifs sont installés en hauteur sur les toits des immeubles. Ta mission consiste à les trouver et à les détruire. C'est noté. Et on va tous les faire. Deux temps, trois mouvements. Alors tenez-vous prêts à passer à l'offensive. Bon, bah y a plus qu'à y aller maintenant. Alors appuyez sur L2 pour effectuer une éclipse fantôme. Pour vous déplacer rapidement vers un point stratégique. Et si je passais par en haut? Ok, il y a le premier. Alors pourquoi quand j'appuie sur L2 j'arrive pas à... Voilà. Alors, des réservoirs de mana sont fixés aux piliers situés sur soutien l'amplificateur du mur magique. Détruisez-les pour mettre les installations hors service. D'accord, la défense s'active pas a priori. Activation du gardien. Alors, le gardien qui protège l'amplificateur s'est activé. Neutralisez-le définitivement pour mettre l'installation hors service. Les attaques de dos sont particulièrement efficaces contre les ennemis puissants. Une attaque de dos peut vous permettre d'enchaîner la démonification. Si vous n'êtes pas en état d'agonie, dématérialisez-vous pour mettre derrière votre adversaire pour l'infliger davantage de dégâts. On dirait Yojimbo, je ne connais pas. Mais tous ceux qui tenteront de se mettre en travers de mon chemin seront écrasés. C'est cadeau. Va souffrir. Où est-ce qu'il est allé? Pas utiliser Ifrit pour l'instant. Voilà, attaque de dos. Bravo, continue comme ça. Allez, on a Ifrit avec nous là. Ouch. Ah, ça fait mal, putain. Je vois rien de ce qui se passe pour l'instant. Ah zut, game over.
Ah ouais, game over. Bien joué. J'ai évidemment très mal joué là-dessus. On va recommencer. Ah. Ça arrive. Ouais, ouais, non, mais là, j'ai très mal joué. Je sais pas trop pourquoi j'ai pas vu ce qui se passait. Le Luminous Engine 2. Je connais pas ce moteur-là, donc du coup, je regarderai la vidéo tout à l'heure. Allez, on va recommencer. Ouais, forcément, je recommence au début du combat. Sachant que pour l'instant, en plus, il est tout seul, quoi, le gardien. Donc c'est pas encore trop dur, quoi, normalement. Allez. Nous sommes des gardiens, allons jouer le roi précis de protéger ce lieu, Valkorag. Tout un change à l'armure sera le valeur. Ça ne pouvait pas être aussi simple. Ils prennent vraiment la sécurité au sérieux. Ah, il attaque toujours réussi dans ce jeu. Tous ceux qui tenteront de se mettre en arrière de moi sont dans tes crânes. Eh bien, voilà qui est intéressant. Il y aurait donc un autre système de défense à plus que ce monde. Oh non, voyons. Va souffrir. Ah, mais il me retombe forcément dessus là. Faut attaquer de dos apparemment, ouais, ça. Allez, calcine-moi tout ça. Ah, ça a l'air d'Ifrit quand même. D'accord. Ouais, enfin, je me passe le bouclier avant. Voilà. Allez, on a conquis le secteur A. Alors, on a conquis le secteur A. Les ennemis présents dans cette zone ne profitent plus des effets protecteur de l'amplificateur. Ok, il y a plein de choses à aller récupérer. Moi, ce qui va juste m'intéresser, c'est d'aller prendre. Je sais venger, ouais, c'est ça. C'est un peu ça, en effet. Je vais. C'est quoi ça? Ennemi, d'accord, on s'en fiche. Je vais aller sauvegarder. Enfin, prendre une recharge, on va dire. Et puis après, on va passer au prochain secteur. Je vais juste faire les amplificateurs. Je vais pas aller battre tous les ennemis qu'il y a, ni récupérer tous les trésors. J'ai détruit le premier amplificateur. Je ne constate aucun changement pour l'instant. Il va sans doute falloir en détruire davantage. Alors, vous obtenez maintenant des PC en démonification des ennemis. Dépensez-les sur le tableau des compétences pour obtenir de nouvelles capacités spéciales. Ok. Alors, ce que je vais prendre, c'est alors méga feu pour 16. Ici, on en a 42. Je vais prendre le météore enflammé. Il coûte 3 segments. On va attendre un petit peu, on verra ça au prochain. Recherche fantôme. Et on va améliorer un peu les PV aussi, c'est toujours important. Allez, voilà pour l'instant. L'ennemi vient de détruire l'un des amplificateurs du pont magique. Mais pourquoi s'en prend-il aux amplificateurs? Serait-ce une attaque du Nifelag? Nous n'avons détecté aucune présence impériale, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du mur. Il se peut que ce soit un mercenaire à la solde de l'Empire. Arrêtez-le! Compris?
Non, mais vital les points de vie, ouais, c'est ça. En général, c'est ça que j'utilise en priorité. Bon, je fais juste un peu Ifrit parce que c'est sympa d'avoir quand même des plus grosses armes, on va dire. Mieux la sauvegarder après chaque. Après chaque tour. Alors, la carte. C'est parti, on va aller faire le suivant qui va être là-bas. Ah, il est encore plus haut. Alors, des gardes. Là. C'est bon? Ok. Comme ça j'ai chargé pas mal mes armes fantômes avant d'attaquer le combat contre le gardien. Des ennemis en plus du gardien. Alors c'est ça l'armée du Vicious. C'est pas décevant. Ah, c'est vulnérable, j'ai pas vu. Après, il est pas obligé de me rouler non plus vite. Hein. Allez, on va pour le deuxième. Ok, deuxième tour, le secteur G, c'est fait. Pour l'instant, ça va. Et un amplificateur de moins, hein? Bravo, continue comme ça. De notre côté, tout est en ordre de marche. Capitaine, il continue à s'attaquer aux amplificateurs. Quoi? Il a réussi à en détruire un autre. Sécurisez l'ensemble des sites concernés. Monsieur. Bien, retournons sur la marche. Non, garde niveau 8. On va déception en déception. Ah.
Alors, les gardes peuvent vous assaillir sans crier garde pendant que vous déplacez dans Insomnia. Appuyez sur la touche au bon moment pour prendre l'ascendant sur vos adversaires. Peut-être pour la prochaine. Voilà. Non, c'est trop facile pour moi. Allez, nouveau secteur, c'est bon. Et je vais voir si je peux utiliser des points de compétence à nouveau. J'ai combien? 32. Alors juste ce qu'il me faut pour pouvoir avoir la fureur des flammes. Le dernier d'Ifrit. Ok. Ifrit, c'est bon. On avance du coup. On va aller sur le secteur ici. Alors, on n'a pas le même gardien là. J'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Vous êtes déjà tous morts et enterrés. Ok, alors par contre c'est pas le même gardien là. La chance d'être mortel. L'éternité c'est très long. Dans la joie et la bonne humeur. Ah ouf, je me fais mal là. Qui est pas détruit là. On va détruire cette réserve de mana là et on va se lancer dans le combat. Contre le gardien. Alors ça c'est un nouveau gardien a priori. Nous autres gardiens avons juré au roi d'Ulysses de protéger ses lieux val de val. Quiconque cherche à leur mieux sera mis à mort. Mal du tout. Bonne marionnette, tu te défends avec ton tien. C'est toujours impressionnant de voir un vieux alpha. T'en fais pas. Arrêtez. Le roi serait donc dans son palais. Dans l'autre. C'est terminé. Ouch. Oh!
Allez, encore en garder en moins. Hop, le secteur B c'est fait. Hop, il y a un banc juste ici. J'ai presque tout détruit. Est-ce que c'est mieux maintenant? Beaucoup mieux même. Nous devrions être en mesure de percer la barrière en réalisant une attaque coordonnée depuis notre position. L'opération va commencer. Évacue immédiatement les lieux. D'accord. Mais avant ça, j'ai une dernière petite chose à régler. Je vais aller m'entretenir avec le roi et le tuer. Quoi? Mais ce n'est pas ce qui était prévu. Après tout ce que j'ai fait, j'ai bien le droit de m'amuser un peu. Et notre plan? Continue comme prévu, sans te soucier de moi. Et si tu pouvais t'occuper des soldats par la même occasion, ça m'arrangerait. À présent, allons voir comment se défend l'enfant de ce fils. Quelle est la situation? Délicate, je dirais. Ah, sauf que nous, on va d'abord décider de faire un... Passement S, GG, merci. Ça, nous l'ignorons encore. Tout ce que nous savons pour le moment, c'est qu'il est fort et qu'il est accompagné d'Ifrit, le dieu du feu. Votre Majesté, nous devons nous préparer au pire. Voilà, hop, il est là. Ah, j'ai eu que 19 PC sur celui-là. Prendre les PV. Ok, next. On va continuer de monter, on va aller sur celui-là ensuite. Allez, activation du gardien. Nous autres gardiens, allons jouer le roi qui insiste de protéger ses lieux, Valkorag. Quiconque cherche à l'avenir sera en faveur. Pas trop comment il peut dans le matin vu que il y a un toit. Il y a un deuxième qui arrive, ok. On va essayer de terminer le premier déjà. Ah, c'est un bouclier. Un de moins.
c'est terminé. Pas du tout. Montre-moi de quoi tu es capable. C'est toujours impressionnant de voir un vieux à nous battre. C'est pas vrai. Allez, les activations du gardien ici. On a compris. Le secteur C. Quoi, c'est tout? Oh, qu'est-ce que c'est décevant. Encore un S, nickel. On avance, encore un secteur de fées. Je crois qu'il doit en rester 3 encore. C'est ça, 3. 3 et a priori maintenant, ça y est, on peut avoir des doubles gardiens, dirons-nous. Point de compétence. 23. Est-ce que je peux avoir... combien c'est le dernier? 16. Voilà, j'ai tous mes points de vie maintenant. Ok, je pars là. Pas de garde, ok. Allez, activation du gardien. Nous autres gardiens, nous jurons au roi du 6 de protéger ces lieux Val de Val. Quiconque cherche à l'avenir sera mis à mort. Ouch. Ah, je croyais qu'il y a des gardiens qui étaient arrivés. Bien. Allez, encore un gardien de moi. Pour l'instant, ça va, ça se passe plutôt bien, hein, quand même. Secteur D, c'est bon. Bon, je vais pas revenir en arrière pour sauvegarder, hein, on va continuer.
On va partir sur l'amplificateur suivant. On va de déception en déception.